50 millions de francs CFA, telle est la somme que Jean-Didier Elongo est supposé avoir détournée entre 2008 et 2018 pour le compte de la Direction générale du contrôle des marchés publics. L'État congolais lui reproche d'avoir créé des emplois fictifs pendant près de 10 ans, car les effectifs des agents de la DGMP retenus à 50 seraient passés à 150 agents sous sa direction. L'instruction préparatoire a permis d'établir que le nommé Elongo Jean-Didier, alors nommé directeur général du contrôle des marchés publics, exerçant donc sa direction, recruta le personnel au-delà des exigences. Didier Elongo, surpris par ces accusations, aurait nié n'avoir jamais été entendu par la Direction générale de la surveillance du territoire, DGST, pour les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, le procès qui s'est ouvert le 15 janvier à la cour d'appel de Brazzaville a été renvoyé pour le 21 janvier à la demande de la partie civile.